Il est maintenant temps de revêtir des étoffes plus légères et de planter nos pieds nus dans le sable. Il est l'heure de l'Ita, le solstice d'été. Ce sabbat est en directe opposition avec Yule, la nuit la plus longue de l'année, et se trouve donc être la journée la plus longue, où la lumière est à son maximum. Alors que l'Ita est le terme utilisé par les néo-païens aujourd'hui, ce jour porte d'autres noms et est célébré dans bien des cultures. Si le néo-paganisme choisit d'utiliser le nom l'Ita pour qualifier ce solstice, c'est en partie dû à notre cher ami Bed le Vénérable, déjà mentionné dans la vidéo d'Ostara. Dans son ouvrage De Temporum Rationae, il énumère tous les mois de l'année et donne au mois de juin le nom de l'Ida, traduit plus tard en l'Ita. Malheureusement, le terme n'est pas repris par les auteurs contemporains pour parler d'une quelconque fête celte associée, et Bed n'en dit rien de plus. Encore une fois alors, on se pose la question, comment cette simple mention a pu traverser les âges pour se retrouver dans tous les manuels ésotériques aujourd'hui ? L'indice m'a été donné par un très bon article que Laura vous mettra en description de cette vidéo. La raison de la popularité du terme serait due à sa mention par un homme très populaire lui aussi, J.R.R. Tolkien, dans son ouvrage Le Seigneur des Anneaux, et plus précisément dans le premier tome, La Communauté de l'Anneau. Au chapitre 3, il est dit « Le seul personnage officiel de la comté était à cette date le maire de Grand Cave ou de la comté, qui était élu tous les 7 ans à la foire libre tenue sur les Blancs Hauts, au Lit, c'est-à-dire au solstice d'été. » C'est donc cette toute petite mention qui aurait popularisé le nom de l'Ita, car nous n'avons, aujourd'hui, aucune preuve d'une quelconque fête portant ce nom dans l'histoire ancienne. Néanmoins, compte tenu de l'importance dans beaucoup de cultures du solstice d'été, il semble assez probable que les Celtes, dont je vous rabats les oreilles depuis un moment, aient pu fêter eux aussi la journée la plus longue de l'année. Beaucoup de monuments mégalithiques construits aux premières heures de notre histoire, comme celui de Stonehenge en Angleterre, et bien d'autres dont Laura vous parle dans la vidéo de l'année dernière, en témoignent en s'alignant exactement sur le lever de soleil le jour du solstice d'été. L'historien Georges Dumézil nous parle du culte de Soumanous dans l'Antiquité. Dans la mythologie romaine, Soumanous était le dieu des orages nocturnes et donc associé à Jupiter, roi du Panthéon, capable de contrôler la foudre. On fêtait cette divinité le 20 juin, jour du solstice d'été. Des bêtes lui étaient sacrifiées et en faisaient des offrandes de gâteaux circulaires appelés Soumanalia, censés représenter le soleil. En Europe du Nord, et plus particulièrement dans les cultures scandinaves et baltes, on fête avec ferveur le solstice d'été, et beaucoup de traditions qui ont traversé les âges se pratiquent encore aujourd'hui. Dans tous les pays d'Europe du Nord, on fête donc Midsummer lors du solstice d'été. Ce nom signifie littéralement « le milieu de l'été » et elle se situe en effet sur notre roue de l'année entre deux fêtes d'ouverture et de fermeture de la belle saison, Beltan et Lugnasa. Midsummer est la journée la plus longue de l'année. On y célèbre le soleil à son apogée. Mais à partir de cette date, les jours ne vont faire que lentement raccourcir, en fait alors également le déclin de la lumière. Il est dit que la célébration avait à l'origine pour but d'accueillir la saison estivale et d'assurer des récoltes abondantes. Elle était associée à des dieux locaux, comme Ukko, le dieu finlandais du tonnerre, qui contrôle la pluie et donc fertilise les terres, ce qui n'est pas sans rappeler notre Soumanous. Lors de Midsummer, ou Juhannus, en Finlande, comme pour toute festivité qui se respecte, on danse, on chante, on boit, car les comportements bruyants éloignent toujours les mauvais esprits. Pour les éloigner, on allumait également de grands feux, kokko en finnois. Ils accompagnent aussi le soleil dans sa longue course. On peut, dans certains endroits, y voir des maypoles dont nous avons parlé dans la vidéo de Beltane. Mais en Finlande, il existe aussi une très belle tradition autour de la collecte de fleurs, tradition qui a pu m'être racontée et confirmée par ma très bonne amie finlandaise Ina. Chaque année, le soir du solstice d'été, les jeunes filles peuvent aller cueillir 7 fleurs différentes et les mettre sous leur oreiller. Cette tradition est supposée leur faire apparaître en rêve leur futur époux. On pratique toujours ce rite aujourd'hui, et le néopaganisme suggère encore, le jour de l'Ita, de récolter fleurs et herbes nécessaires à la pratique de la magie, les plantes étant gorgées de soleil et donc d'énergie.
En Suède, l'importance de Midsummer est telle qu'il a été envisagé de déplacer la fête nationale le jour précédant le solstice. C'est également la fête nationale du Canada et la Lituanie en a même fait un jour férié. En France, si aujourd'hui c'est la fête de la musique qui est très largement fêtée aux alentours du solstice, on fête encore beaucoup la Saint-Jean. La fête de la Saint-Jean-Baptiste a été établie par l'Église catholique au IVe siècle. Elle célèbre le jour de la naissance de Saint-Jean-Baptiste, cousin de Jésus, et né 6 mois avant lui. Le saint est aujourd'hui commémoré dans toutes les religions dérivées du catholicisme. À Paris, jusqu'en 1648, c'est même le roi de France qui était le maître des festivités. Un mât de mai était monté en place de grève, auquel était attaché un panier contenant une douzaine de chats. Le roi devait ensuite enflammer le mât. C'est Louis XIV qui mettra fin à cette pratique, trouvant la coutume un peu trop barbare. Si je n'ai pas trouvé d'argument solide attestant du fait que les célébrations païennes du solstice aient été volontairement assimilées à la Saint-Jean, il est tout de même très possible que ce soit le cas. Et quoi qu'il en soit, la tradition lors de la Saint-Jean est également d'allumer de grands feux. À Bagnères-sur-Luchon, en Haute-Garonne par exemple, la fête du solstice d'été porte le nom de Brandon de la Saint-Jean. On y fabrique donc un brandon, avec un savoir-faire digne d'un charpentier auquel on vient mettre le feu. Les habitants sont si impliqués que la fête du feu a été inscrite en 2015 au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, dans la catégorie des pratiques rituelles. Je suis certaine qu'en m'écoutant, il vous revient vos propres souvenirs aux traditions régionales de la Saint-Jean. Mais concernant l'histoire de Lita, il n'y a que peu de réponses. Nous cherchons toujours plus loin dans le passé, plus loin vers l'origine des sabbats et des fêtes, parce que nous avons ce sentiment de déconnexion avec le monde, avec le rythme des saisons, de la nature. Mais ce rythme n'est plus le même, cette nature a changé, notre nature a changé. Pour comprendre la Saint-Jean, Lita, Midsummer ou les autres sabbats, il nous suffit souvent de regarder les célébrations autour de nous. Dans le cadre du solstice, c'est un bon moyen, je pense, de profiter en pleine conscience du cœur de l'été.